Troisième manche du championnat de France de la montagne pour les concurrents de la série Production, à l'occasion de la 48e course de côte d'Abrège-Villers-Saint-Quirin, aux confins de la Lorraine et des Vosges. Un sprint de 2100 mètres tracé dans la verdure du massif du Denon et des conditions météo idéales pour de belles empoignades. Pierre Courroy, le champion en titre, a confirmé sa domination du début de saison. Le jeune franc-comtois s'impose sur les trois montées, égalant le record des voitures fermées. À la dernière montée, j'ai un peu assuré le coup, j'étais un peu plus sur la défensive. Bon, ça s'est bien passé à la sortie de l'épingle, donc c'était plutôt bien, propre, même si j'aurais pu attaquer un peu plus, mais non, une belle montée, c'est bien. Globalement, non, c'est un très bon week-end. Il devance son second Nicolas Ververt Porsche 997 GT2 d'une seconde. Le podium est complété par la Renault RS01 de Philippe Schmitter qui progresse à chaque sortie sur sa nouvelle monture. Yannick Poissignon place sa BMW M3 E92 au quatrième rang devant la Porsche 997 GT3R de Christian Schmitter, le pilote du team Petit Croisier Europe. Le classement du GTT S4 est complété par la Volvo TC10 S60 de Pierre Béal. Septième au général, Paul Reuter signe son troisième succès de la saison en GT de série. Il place sa Porsche 997 GT3 devant la 997 GT2 de Philippe Marion et le Porsche Cayman Cup de Frédéric Santarelli. En groupe A, Francis Dozière progresse rapidement dans la mise au point de la Seat Leon Cupra MK3. Il s'impose devant les jeunes pousses que sont Antoine Uny et Jérôme Jani qui eux disposent de l'ancienne génération. En classe A4, le régional Bruno Frey, sa BMW M3, devance la Clio Cup 4 de Yann Machka. Christophe Poissignon, dont le coupé CG a été épargné par les soucis mécaniques, s'impose pour la troisième fois de la saison. Il devance la Renault 5 Turbo Tour de Corse de Didier Donizet. Retour gagnant en 2018 pour Jean Turnel et sa Peugeot 306. Il remporte le groupe F2000 et la classe 3 devant la Clio de Brice Piera. En GTT S1, la classe des Bidjet, Jean-Michel Lestienne, toujours en attente de sa Ginetta, devant Cindy Gudet, meilleure féminine de la série Production, et Daniel Demar. Comme à Sabran, Jean-François Ganva impose la BMW M3, lauréate du trophée FFS Agropen 2017. Pascal Catt et sa Renault Mégane se classent quatrième. Direction la Normandie pour le prochain rendez-vous du championnat de France de la montagne 2018 avec la 37e course de côte des Teurs-Sauterival-Agneau les 12 et 13 mai prochains.